si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'avez pas peur. Parce que ma tête, bonsoir, donc je suis là, je suis à Bruxelles, comme vous avez pu le remarquer, le constater, enfin, vu à ma vidéo précédente. Et bien sûr, c'est mon premier vlog, et en fait, on va parler de mes seins. Donc voilà, comme je vous ai expliqué il y a un petit moment, normalement, je vais faire mes seins, enfin, je vais attendre un an pour faire mes seins, parce que, en fait, c'était des marques qui prenaient du temps et que je voulais les faire à Gand. Et que pour les faire à Gand, en fait, ce qu'il faut faire, c'est être suivi à Gand. Mais avant, on est sur une liste d'attente et ça peut durer un an. Mais moi, je n'avais pas envie d'attendre un an. En fait, j'ai fait mes petites recherches, j'ai vu plusieurs chirurgiens et j'ai vu Madame De Vos à Liège. Et j'ai vu, j'ai eu plusieurs avis de personnes qui ont été également là-bas. Et apparemment, en fait, c'est vraiment similaire à ceux qui sont à Gand. Après, il y a toujours des avis négatifs comme partout. Il y a toujours des gens qui ne seront pas contents, des gens qui sont contents. Mais moi, j'ai vraiment été satisfaite, vraiment accroché directement avec elle. Et en fait, je fais mes seins dans 10 jours. Donc, je le sais depuis un mois. Mais j'attendais vraiment le jour J de faire une vidéo. J'attendais vraiment entreprendre les petites démarches parce que, bien sûr, ça ne se fait pas en un jour. Du coup, ça s'est passé comment? Donc, j'étais à mon rendez-vous, donc ça s'est super bien passé. J'ai parlé de mes seins, je vais les faire arrondis, donc je vais les faire en ronde et pas en poire. Je vais les faire sous le muscle parce qu'en fait, je voulais quand même du volume au niveau de la poitrine là, donc au niveau de là. Je voulais vraiment en fait du volume au niveau de là, et si je les fais en poire, j'aurais eu un peu moins de volume, ce qui est logique. Donc du coup, j'ai fait sous le muscle pour un effet plus naturel et je vais faire du 390cc, donc c'est un bonnet. Donc j'étais avec elle et tout, ça s'est super bien passé, elle a regardé mes seins, elle m'a dit comme quoi que je pouvais me faire opérer maintenant. Donc du coup, j'étais super content, je me dis waouh, ça a été si vite. Elle m'a dit que j'avais déjà un bon gros A au niveau de ma poitrine, je pensais pas que j'avais autant. Franchement, on s'en rend pas compte hein, que ça va vite. Ça fait seulement 8 mois que je suis hormoné, franchement ça se passe super vite. Et, vous imaginez pas comment je me sens en fait. Du coup, elle m'a donné en fait un papier explicatif avec tout ce qu'il fallait à faire. Quand j'ai vu, oh, je me dis, je vais jamais m'en sortir. Jamais. Après, tout est expliqué en détail. Donc, en fait, le papier explique comme quoi que je dois d'abord voir un. Comment on dit? C'est un spécialiste. C'est un. Un. Putain, je me dis chaque fois. Ça s'appelle comment encore? Le mec qui endort. Non, ah, quoi? Merci, ça c'est gentil, un anesthésiste, voilà. Ouais, je suis avec mon ami à Bruxelles, ça me fait du bien un peu de me ressourcer, de partir un peu de mon petit cocon. Bon, du coup, là, je suis avec mon petit ami, un ami copain, quoi, pas amoureux. Et donc, du coup, voilà, vous voulez que je vous le montre? Je vais vous le montrer, vu que c'est un vlog, écoutez, vous savez que c'est mon premier vlog. Dans tous les sens, Calista. Oh, mais désolé, je trouve pas un endroit qui me plaît. Bonjour. Salut. Voilà, c'est lui avec qui je passe la petite semaine. Du coup, je vais continuer à vous expliquer ce que j'ai dû faire. Par contre, mes cheveux, c'est pas possible. J'ai fait bien évidemment une chaleur de dingue et j'ai cassé effectivement un nom comme vous avez pu le voir. Donc voilà. Ça dit quoi? Si tu te mets biche, j'ai un vrai biche. Est-ce que j'ai l'air biche là? Non, là je suis naturel, j'ai aucun filtre et mes abonnés vont me voir comme ça. Donc voilà. Oh mon dieu, ça ne va plus. J'en étais où? J'en étais. Voilà, j'étais que j'ai dû prendre rendez-vous avec un anesthésiste et je le vois demain. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va me poser des questions concernant à ma santé, concernant si je fume, si je bois, c'est plein de questions concernant à la santé. Et je pense qu'en fait, c'est parce que ça pourrait avoir un impact. Voilà, imaginez, je bois tous les jours, ben, l'anesthésie pourrait peut-être avoir des complications. Donc du coup, voilà, donc c'est vraiment super important de prendre rendez-vous avec l'anesthésie, sinon c'est obligé. Voilà. Et voilà, donc du coup, moi, je la vois demain, on verra comment ça se passait. Je vais essayer de vous filmer le maximum. Enfin, généralement, ça va vite, hein, ces rendez-vous-là. C'est vraiment juste poser des questions, on répond par oui, par non. Et puis voilà, quoi, ça va vraiment très, très vite. Bon, du coup, voilà, donc là, j'ai un peu un sentiment. Je suis un peu stressé, mais en même temps, je suis contente. Donc du coup, c'est vraiment, je sais pas. C'est spécial, je sais pas comment expliquer. Mais j'ai vraiment hâte. Je suis vraiment dans mes émotions pour l'instant. Enfin, je sais pas, je vais me réveiller et j'aurai des seins.
Là, j'ai une poitrine, mais c'est pas pareil, quoi. Je vais me réveiller, j'aurai des seins. Je sais pas, c'est nouveau pour moi, c'est l'évolution, je me rapproche de plus en plus du corps que je rêve. Et du coup, je suis trop contente, quoi. Du coup, c'est une opération qui est remboursée. Pourquoi? Parce que ça ne devient pas esthétique dans mon cas. C'est une opération qui est réparatrice, voilà. C'est pour ça que nous, les personnes trans, on ne paye pas cette opération-là. J'ai dû aussi également prendre rendez-vous. Ça, c'est elle qui m'a fait un papier pour faire une prise de sang. Du coup, demain, je devrais également faire une prise de sang après mon rendez-vous. Du coup, de toute façon, je vais tout vous montrer, vous dire, tout vous expliquer. Je vais essayer de vous détailler le plus possible. Comme ça, vous allez bien comprendre comment ça s'est passé. Et j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Donc voilà. Du coup, je vais vous emmener avec moi. Donc pendant, après l'opération. Donc du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est là, je vais vous montrer demain le jour avec l'anesthésiste. Tout est mes cheveux. Ok, félicitations. Je vais vous montrer quand je vais rentrer à l'hôpital le jour de l'opération. Je vais vous montrer également après l'opération, comment je me sentirai. Et tout, je vais vraiment vous emmener avec moi, vous montrer tout, vous faire découvrir, En fait, vous allez vraiment être avec moi, donc je suis vraiment très très content de tourner cette vidéo, de faire mon premier vlog, et voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, on se retrouve tout de suite, bisous. C'est quand même pas possible. J'en ai marre, moi, quand je suis pas maquillée, bonjour ma tête, quoi. Pourquoi une femme n'est pas une femme tout le temps? Désolé pour la qualité, mais c'est un vlog, donc du coup, je ne peux pas me permettre d'avoir mon ring light partout. Du coup, là, je suis à Bruxelles et j'ai cherché Jérémy, je sais pas où il est. Putain, il est où? Oui, du coup, je vais avec lui à mon rendez-vous à l'hôpital à Liège. Ah, il est là. Jérémy! Oh, putain, je suis content d'être voir ici. Putain, mais donc maintenant on doit aller à Liège et tout. Ouais, hein. Ça fait longtemps, ça prend pas aussi. On a le train, mais vite, cours. Vite, vite, cours. J'ai rempli. C'est pas fait de rentrer. C'est gonflé. Oui, gonflé, c'est ça. C'est le 25 de l'eau, c'est ça. Et vous avez venu de loin, dites-vous. Oui, moi j'en parle. Je ne regarde pas parce que j'ai tombé dans les pommes. C'est vrai, moi, ce point-là? Avant, plus que maintenant, oui, quand même. Je regarde votre maquillage. Comment est-ce que vous arrivez à prendre des chaleurs comme ça, avoir un maquillage comme ça? C'est génial. Mais écoutez, les yeux, ça va encore, c'est plus au niveau du teint, c'est plus compliqué à garder. Mais après, voilà, je mets aussi du fixateur et tout pour que ça reste bien. Quand c'est l'été comme ça, je m'appuie l'ordicien pour cacher toute mon misère et puis je me la je poudre bien et puis je m'appuie le terracotta et c'est beau parce que pourtant moi j'adore tout ça, mais... C'est vrai que quand il fait chaud c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Ouais. Ben voilà. Oui, merci. Donc voilà, je viens de prendre la prise de sang et je vous avoue que j'ai eu très peur. Non, j'ai pas eu très peur. Qu'est-ce que si on appuie pas? En fait, on n'a pas appuyé donc du coup, on montait pas. Attendre le jour J, le 17 août, c'est l'opération de mes seins. Je vous avoue que en ce jour, j'ai un peu peur, mais ça va en fait. Je sais pas, je chante la peur et le stress, mais aussi j'ai très hâte, tu vois. Donc, vraiment. Avoir des bololos. Ouais, voilà, c'est une émotion que je n'ai pas jamais vécue. Ce sera la première fois de ma vie. J'ai vraiment très très hâte. Donc, voilà. Par contre, ne faites pas attention à mes défauts, mais j'ai pas de filtre, hein. On est sur YouTube ici. Hein. Il fait genre super chaud. Vous imaginez pas la montée qu'on a dû faire. En fait, on n'a pas marché. On n'a pas pris le bus, on a vraiment marché. On a marché une heure, tu vois. Pire qu'une heure. Plus que ça. Genre. Ouais, grave. Et franchement, une chaleur de dingue, surtout avec le masque et tout, c'est vraiment étouffant. Mais bon, on n'a pas le choix. Encore un peu, il m'écrasait. Regardez ça. Honteux. De l'argent, je te demande 50% de parce que comme il y a de la tête. Pardon. À placement de produit, genre t'as un produit du sud. Bien sûr du sud. On est à Liège, on n'est pas trop au sud.
On est à Liège. Je connais très bien Liège. Oh, grave. Voilà, bisous. Je vais te tuer, toi. C'est tout qu'on doit le faire, je vais filmer ça. J'avais totalement oublié qu'il fallait que je m'inscrive pour l'admission. Du coup, j'ai dû retourner à l'hôpital en urgence parce que sinon, en fait, je ne pouvais pas me faire hospitaliser le jour J. Donc, du coup, il faut que je fasse. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Non. Et du coup, bah là, je dois patienter. Regardez ma nouvelle tenue. Trop beau, hein? Ah bah c'est déjà à mon tour. Bonjour. Bonjour. Là je viens pour une hospitalisation. S'il vous plaît. Quand madame? C'est pour lundi. Quand c'est le 17? Le 17, oui. Lundi, et on vous a dit que vous alliez dans quelle salle? Je sais pas encore, je sais pas du tout à téléphoner. Ou là, vous devez téléphoner, mais la salle, on ne vous a pas dit si non, c'est pas dans du salle tout. 14 ou c'est quoi. Vraiment pas ça. Et sur les documents, vous n'avez rien? Je vais noter, je regarde. Celui-là, oui. Le dernier. Le dernier. Non, le dernier de là, c'est j'ai bien vu au travers. Hein. 1 hour later. Pas ça, non, pas du non, tout. Non, ça c'est CHU. Ça c'est consentement. Non. Non. 2 hours later. Ça, je pense que ça c'est pour. CHU, ça aussi. Oui, mais non, ça c'est CHU. Il faudrait la salle ici. C'est quel docteur? Madame De Vos. Ah, madame Davos, oui. Sûrement salle 14. Voilà, c'est sur celui-là. Ah voilà, salle 14, vous avez raison. C'est bien salle 14, effectivement. Et c'est une chirurgie esthétique. C'est ça, c'est pour mes stades. Et elle a dit que c'était mutuelle. C'est là, oui, c'est la mutuelle qui prend en charge l'intervention. Elle est chouette, madame Davos. Oui, franchement, elle est super géniale. J'ai vraiment bien accroché avec elle. J'avais le choix en plusieurs chirurgiens. J'ai choisi oui, elle. Hein. Non, elle est chouette. Et elle a beaucoup d'expérience, donc... Oui. Ah, mais tant mieux. Ça va faire 30 ans maintenant, vu qu'elle fait chaud, hein. Oui, vraiment. Ici, dans le carré blanc, vous allez noter tout ceci. Vous pouvez retirer votre carte d'identité. Bon, du coup, là, je signe. Ok. En fait, c'est pour la réservation de la chambre. Ah, ok. Lui a approuvé. Et voilà, là, je signe. C'est non. C'est officiel. Merci beaucoup. Voilà. Une bonne journée, au revoir. Moi aussi, une bonne après-midi. Merci. Au revoir. Et voilà, une chose de faite. Donc du coup, voilà, maintenant je rentre vraiment à la maison. J'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait à faire. Ah oui, si vous aimez mes fossiles, c'est une collaboration que j'ai effectuée donc, sur Instagram. Donc allez voir sur mon Instagram, je vais vous mettre mon Instagram ici. Et je vous mettrai le lien de la fille qui les vend en barre d'infos. Et franchement, ils sont super bien, ça vient de Bruxelles. Et elles font aussi des extensions de cils, donc si ça vous intéresse. Je vous mettrai vraiment tout en barre d'infos. Je sais plus c'est quoi le nom de la marque. En tout cas, c'est vraiment super beau. J'adore. Enfin, bref. Du coup, voilà, le petit loulou, on se retrouve le jour de l'opération. Bisous. Ista. Debout. Il est déjà 5 heures. Oui, j'étais loge aujourd'hui, chaud. Oui. C'est ça, ça pique les yeux. Oui. Allez. La bouche, elle est sain. Ouais. Je suis trop content. T'as dit quoi que t'étais content pour moi? Je suis content pour tes seins, mon cœur. Moi, je suis content. Oui, mais surtout que, à mon avis, on a une de ces têtes bien, avec des défauts. Ah. Qu'est-ce que tu t'es fait? T'es tombé? Oh mon dieu. Tu m'as encore bien tombé. Oh, ben voilà, ben, je vais aller me laver. Moi aussi. Et voilà, c'est jour J, on y est, les amis, on y est. Voilà. Désolé pour la tête, mais c'est le réveil. C'est le matin, c'est normal. Hein. Oui. Bon, on se retrouve tout de suite. Et voilà. Voilà, là je suis totalement prête. Donc je me suis lavé deux fois à l'isobétadine parce que c'était la règle. Je vais me laver deux fois à l'isobétadine hier soir et aujourd'hui matin. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai vraiment pris des affaires vite fait. J'ai pris vraiment des affaires très amples parce que sinon, je vais vraiment trop serrer au niveau de ma poitrine.
Je vais vous filmer vraiment tout ce qui va se passer maintenant. Donc, je sais pas s'il y a des bus, mais en tout cas, je vais devoir marcher. C'est vraiment pas loin. Hein. Maximilien habite vraiment pas loin de l'hôpital où je me fais opérer. Et mon ami m'accompagne. Donc, du coup, je serai pas toute seule. De toute façon, je peux pas être toute seule. Je dois obligatoirement être accompagnée. Sinon, je vais rester à l'hôpital et j'ai pas envie de rester à l'hôpital. Donc, du coup, voilà. J'ai peur, les amis. D'ici quelques heures, je suis opéré, quoi. J'en peux plus de marcher. Ça va, toi, la marche? J'en peux plus. Quoi? Là, on peut monter là. Ah non, attends, je me trompe. Par là, on peut aller. Rue Volière. Où sont les oiseaux? Fermé. Il n'y a plus d'oiseaux dedans. Et quoi, elle se réveille à quelle heure, la grosse? Oh, bah, à mon avis, comme elle est partie, là, la grosse, elle va se réveiller dans 5 heures. Ah, ça va, j'ai le but d'aller faire un bain solaire. Ouais, allez-y, à votre aise. J'adore le make-up. Je pense qu'il met des doses exprès pour dormir un certain nombre d'heures. Par contre, imagine le réveil pendant l'opération. Oh, c'est ma plus grande peur, ça. Non, c'est calculé pour pas te réveiller. J'espère bien. Coucou, me voilà. Vas-y, fais une roue à Valentin. Oui, il n'y a personne, ouais. Ouais, elle est toujours. Hein. À partir de maintenant, tu vas devoir jouer au caméraman. Par contre, je sais pas où je vais aller parce qu'en fait, il n'y a personne, donc du coup, je sais pas où je vais aller. C'est trop impressionnant, il faut porter. Oh non, hein. Pardon, je me charcute moi-même les seins, je me scie comme ça, chaud. Ah non, je sais où je vais aller, c'est à 14, juste. Mais c'est où? Conne, c'est marqué là. Ah ouais, hein. Matin, faut m'excuser. Ah, ça sent bon le croissant. Ouais. Qui a mangé du croissant? Tu sais, on a pris l'ascenseur A, je crois. Ah merde, c'est pas celui-là, c'est encore après. Oui, 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 je suis ici, c'est vraiment un labyrinthe ici. Ouais. Je confirme, c'est comme ça. Ah ouais. Du coup, là, on attend. Ouais. Ah, j'ai pris ma douche de foin avec les œufs de savon. C'est ça. Parfait. Je suis rasée partout. Vous êtes déjà venu à la suite à l'air? Je suis venu, mais c'est pour opérer mon nez, pour une rhinoplastie. Il y a longtemps? Il y a un an, plus ou moins un an. Oh, bah voilà, j'étais déjà ici. Donc vous avez le lavabo-lieu, cabinet de toilette. Okay. Normalement ici pour... mettre les affaires personnelles. Oui, les affaires, ma clé, donc vous pouvez sécuriser. Je me croise à la maison. Madame Levance va passer. Oui. Il faut que je vous mette des bains. Des bains. Des bains distincts. Ma foi, ça ne va pas faire... Ok, je connais. Bonheur, parce qu'il fait chaud. Alors, je vais prendre la mesure de vos chevilles, le diamètre de la cuisse. Ok. Comme ça, je vais vous mettre à mesure. Il faudra bouger... Pour bouger, c'est persil. Comment on fait celui-là? On va mettre un spiramara. Oui, ça, je sais les enlever, celui-là. Essayez de tout bouger. Ok. Je te regarde, je te dis que tu jottes. Relâchez. Ok, ça va. Voilà. On va mettre, ça s'appelle comment ça, une cape. Une robe de nuit, non? Oui. Mais voilà, je vais mettre ma robe. Donc voilà, je suis en petite robe. Valentin, il est là. Salut. Et on va devoir me mettre debout. Et je vais pouvoir rester couché 20 minutes pour que mes jambes se dégourdissent, se relaxent. Et je me fais opérer dans une heure, du coup c'est dans pas longtemps du tout. Et l'opération dure une heure et demie, donc voilà, j'ai vraiment peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il est long, il voit. Ah, le rideau. Oui, c'est un rideau télescopique. C'est très bien que tu as en oui. Bonjour, ça va? Bonjour. En forme? Oui, en forme. Allez, on va faire les petits repères. Donc ici. Voilà. Le haut. Et ce sera pas trop écarté au niveau de là. Ça, c'est votre écart aussi. Hein. Donc, vous avez, chacun a un sternum plus ou moins large et avec la base d'implantation du sein plus ou moins interne. Mm-hmm. Et ça c'est aussi, aussi physiologique et c'est aussi vous qui déterminez l'écart. Ok.
et votre muscle aussi à l'intérieur. Et donc, et il faut centrer aussi la prothèse par rapport à l'aréole. Ben, je ne vais pas la mettre là, hein, parce que c'est vrai que si c'est latéral, mais je vais tricher un peu, mais je ne peux pas non plus vous mettre une prothèse comme ça, avec l'aréole qui pointe à l'intérieur. Donc il faut voilà, adapter en fonction du thorax de chacun. Alors, après l'intervention, vous ne devez pas fonctionner, pas faire aller les bras, évidemment, parce que le muscle est implanté ici en haut de, du bras. Okay. Donc, chaque fois que vous mettez les bras en arrière, par exemple, vous tirez sur... Ah, c'est pas une question de douleur, c'est une question de ne pas déplacer la prothèse latéralement. Si je vais être belle. Donc, vous devez être comme ça, les bras le long du corps, et vous pouvez les faire aller vers l'avant. Puisque là, ça détend le muscle. Ok. Ok. Ça va. Mais vous ne pouvez pas écarter, vous ne pouvez pas mettre les bras en l'air non plus, parce que sinon vous aspirez la prothèse vers le haut. Et vous ne pouvez pas vous pencher en avant, parce que sinon vous avez la cicatrice qui va tirer. Ok, ça va. D'accord. Donc, je vais arrêter d'aider. Comme ça, comme une automate. Comme une automate, les bras le long du corps et vous pouvez les faire aller vers l'avant, parce que là, vous vous dites, ça détend. Ok, ça va. Ok. Oui. C'est très important. Il y a combien de temps? Ah, c'est 6 semaines. Hein, le temps de la cicatrisation partout. Ah oui, oui, ça si. Mais je vous l'ai dit. Hein. Oui, oui, je pensais pas que c'était autant de temps. Ah, si, parce que tout n'est pas cicatrisé à l'intérieur. Il faut qu'il y ait une enveloppe qui se forme autour de la prothèse pour la maintenir bien en place. Ça va, d'accord. Ok. Pas de souci. Oui. On vous a mis en position semi-assise. Oui, donc ça, c'est la position à adopter chez vous aussi pour dormir. Ah, ok. Et donc, pas question de vous remettre à plat. Si vous vous mettez à plat, regardez, quand je suis à plat, ben, mon thorax, il bombe. Donc, il pousse sur les prothèses et il tire sur la cicatrice. Donc, vous devez être en position semi-assise pour être un peu ramassé sur vous-même. Ah ben, soit vous mettez quelque chose en dessous du matelas, soit vous prenez un coussin d'allaitement pour être un petit peu redressé. Ah, c'est un coussin spécial qui... Voilà, ben, pour pouvoir se mettre et se lever à l'intérieur. Parce que si vous disposez 50 coussins, ben, les coussins, ils bougent évidemment. Et puis vous vous retrouvez quand même sur le côté. Donc il faut vraiment être calé dans un coussin. Ok, ça va. Ok. Ben voilà, ben, vous allez réfléchir à la, ça va. À la position. Hein, donc... Je viens vous voir fin de journée et puis ben, voilà, normalement vous sortez, sauf s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, la tension, la douleur, voilà, mais normalement tout va bien. Et comment ça se fait qu'il faut mettre de la collante? Les bas à varices sont recommandés contre les phlébites. Je suis dit, je vais pas me porter chance. Je sais pas si j'ai chaud de chaleur ou si j'ai chaud de stress. À mon avis, c'est les deux. Tu exerces tes talents de chaudière avec le stress. Tu penses? Oui, je pense. Ah, c'est compliqué à mettre. Il faut bien stresser les contentions. Contention. Ils mettent ça pour les varices. Hein. Entre autres, oui. Pour ici, comme l'intervention est quand même... Ça va peut-être durer 2 heures, hein, je pense. Le temps aussi d'aller au réveil, etc. Voilà, vous le montrez bien jusqu'au-dessus. Oui, bien sûr. Est-ce que les rois de la maison ça... Oui, c'est à vous. Voilà, voilà, je vous laisse aller mettre le sparadrap. Oui. Uriner, vous l'avez fait. Hein, oui, je l'ai fait. Vous mettez-le bien. Ça ira. Et vous vous mettez sous les draps. Parce qu'on viendra vous chercher bientôt. Ça va? J'ai sexy, hein. Mais tiens, si vous voulez dire des bancs. Ah, on va dire un banc de poulet, une cuisse. Ah, Calista. Gobelet Calista. Vous voulez? D'accord, ok. Ça va, ça va, je suis en contrine. Ça y est, c'est l'heure, c'est le moment. Ouais. Dites-moi en commentaire comment vous me trouvez comme ça. Voilà. On y va? On y va, c'est parti. Courage. Bisous. Quand je vais te revoir, tu auras des seins. Attends, une heure et demie. Bisous. Coucou. Ça va, Prunette? T'as mal? On voit pas. Il y a le soutif et tout. Ouais, voilà, là c'est ça. Hein. Je me réveiller. Je me respirer. Ouais? Ben c'est très compressant. Mais voilà, les loulous, c'est fait.
J'ai super mal. J'ai encore un peu dans le gaz. J'arrive plus à bouger mes bras. En fait, j'arrive pas à bouger au niveau des épaules. Mais voilà. Donc, sur une échelle de 1 à 10, j'ai mal à 8. Vraiment. Parce que je me sens vraiment compressée à cause des décompresses. Et vu que c'est sous le muscle, ben en fait ils doivent détacher le muscle, donc du coup ça fait beaucoup plus mal que si j'avais fait sur le muscle. Donc là je vais me reposer et je ferai la suite de la vidéo quand j'irai un peu mieux. Donc comme ça vous voyez à quoi ça ressemble ce tif qui garde les seins en place. D'ailleurs il est très beau. J'aime bien. Et voilà, je vous fais des bisous, on se retrouve plus tard. Je vous jure, je me suis levé, j'avais genre la tête qui tournait et tout, mais c'est normal, hein. Faut le temps que mon corps se réveille petit à petit. En tout cas, je suis très sexy, toujours tendance et à la mode, avec je sais pas comment on appelle ça. Allez, comment c'est l'appeler ça toi? Je sais pas, bizarre. Ouais. En tout cas, toujours à la mode. Dis bonjour Valentin. Salut, ça va bien? C'est vous, oui, YouTube, ça t'a dit coucou tantôt. Genre, hey. Ouais, je me suis enlevé les bas, je me suis fait engueuler, donc du coup, ben, je les ai. Enfin, ben, Valentin m'aide à les remettre parce que toute seule, c'est compliqué. Je pensais pas qu'il fallait laisser jusqu'au soin. Et voilà. Merci. Donc les hommes qui veulent essayer de m'avoir, prenez exemple sur lui. Ouais. Parce que je pense pas que tous les hommes feraient ça pour sa femme. Mais Rami s'est endormi. Je prends mon médicament. Je sais pas comment je vais faire. Ça bloque. Donc du coup voilà, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc je vais rester ainsi pendant 2 mois. Je dois retourner à l'hôpital dans une semaine pour changer le sparadrap. Je dois également revenir dans 2 semaines pour enlever les fils. Et aussi, on m'a expliqué, donc du coup, je ne pourrais pas en fait faire comme ça vers l'arrière parce qu'en fait, sinon, ça tire en fait le muscle. Et en fait, l'implant, ben, en fait, peut risquer de se déplacer. Donc du coup, c'est pas conseillé. Je dois vraiment rester plus possible ainsi et bouger que mes bras comme ça. Je vous avoue que même prendre une bouteille d'eau, c'est lourd. Donc, je vais vraiment éviter les efforts. Voilà, la vidéo se termine maintenant. J'espère que ça vous aura plu. J'espère également que vous avez aimé ce petit vlog. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et j'espère que ce petit moment de fou rire ben, vous aura plu. Parce que j'ai essayé aussi de faire un petit vlog ben, un peu comique aussi, pas rester sur le sérieux. Parce que j'ai toujours été comme ça, je serais très olé olé. Bon, je suis un peu dans le cake, du coup j'ai un peu du mal à m'exprimer maintenant. Mais je viens seulement de me réveiller il n'y a pas très très longtemps. Un grand merci pour tous vos soutiens, tous vos messages. Je vais les lire tous et voilà, il faut le temps que je les ouvre parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, vraiment très très, très beaucoup. Sinon, niveau douleur, je vais mettre niveau douleur, je dirais que j'ai mal. Après, il y a les médicaments qui aident beaucoup. Je sais pas comment je vais être demain. J'espère que ça va pas être pire. Je referai une vidéo par rapport à l'évolution en expliquant ben, comment je me sens, comment ça s'est passé. Donc voilà, je vais vraiment tout vous montrer. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo et à dire vos avis. Je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine. Bye.